Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e déjà épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, je vous avais essayé la dernière fois sur une mission extrêmement délicate, on va dire. En tout cas, ultra casse-pied au niveau du timing. J'ai 5 tours pour revenir à la case départ, on va dire, c'est-à-dire ici, tout en me faisant courser par des saloperies de chrysalides. 5 tours, ça va être super juste, hein, je suis pas sûr d'y arriver. On va tirer, hein. Raté. Ah, c'est super dur. T'en vois toujours un. Allez, tu me le tues. T'as vu où tu tires? T'as vu où tu tires, nom de Dieu? Alors, tu vas me faire un joli petit sprint. Oh, il l'a eu. Roquette perfo. Le tir est bloqué. Le truc c'est que là, le tir est bloqué partout. Ah, c'est pas mal. Boum. Que tu recharges en plus. Bien, commandant. Allez. Alien neutralisé. Par contre, il y en a un qui va s'empresser de revenir. Il me reste 4 tours. Ah. Et Prouch, un nouveau. De nouveau. Ok. 3. Strike One, l'attaque aérienne ne va plus tarder. Ouf. L'extraction avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, je veux bien. Mais c'est juste incroyable quoi. T'es pas obligé de balancer autant de marcoulins là. Cible maîtrisée. Alors toi avec ton fusil de précision, tu recules à mort. T'as plus qu'une seule petite barre de vie. Toi, il faudrait que tu recharges. Bon, allez, on s'en fout, il faut qu'on sprint. De toute façon, si on peut mettre au moins un tour de sprint entre eux et nous. 5 sur 5. En plus, on est complètement à sec au niveau munitions. C'est la misère totale. Oh la vache, reste 4 tours, j'y suis pas tout à fait. Il reste encore au moins 2 tours de sprint. Ah non mais les mecs, abusez pas trop non plus, c'est quoi cette mission impossible? J'adore le film, les films d'ailleurs, mission impossible, mais quand même. Yes! Personne n'a tiré un prix à sprint. Évidemment, ils sont tous en rechargé. Sauf toi. 80%, tu me le tues. J'aurais dû avancer. Oh là 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 là. Allez, j'y vais. On y va. Mon Dieu, ça va être extrêmement juste. Même pas sûr d'y arriver en fait. Parce que là ils vont se ramener. Oh la vache. Je crois qu'on va avoir le droit à une perte de sniper encore une fois, ce qui m'énerve extrêmement. Non, ils en font popper encore. C'est quoi cette mission de l'enfer? Bravo, tu m'aides beaucoup aussi. C'est quoi ça? 8 tours avant frappe aérienne, n'importe quoi. J'y suis.
Bon, on en aura au moins sauvé 3. Enfin, vous... On va essayer de tirer avec celui-là, mais... Enfin, de se tirer avec celui-là, surtout. Ça m'énerve, mais je crois qu'on va devoir faire ça. Ouais, quoique. Il y a peut-être moyen que je sois sauf. Parce que là, ils vont devoir utiliser 2 tours. J'espère. On continue. Oui, 2 tours de mouvement. J'espère, en tout cas, pour les 2 autres. C'est pas sûr. Oui! Par contre, est-ce qu'ils vont arriver assez loin au niveau du sprint? Ça suffit, Strike One. La frappe aérienne est imminente. Au point d'extraction, allez! Est-ce que t'es dans la zone là? Non, me dis pas que t'es pas dans la zone là. C'est bon. Ah si, vous êtes bon. T'es quand même dans la zone. Oh, oh, j'ai réussi. Oh mon dieu, j'ai réussi. La vache. Bon, j'ai perdu un agent, mais enfin, pour une mission où j'ai tué 29 extraterrestres. Oh, j'ai réussi, mais de justesse. Mais de justesse, mon dieu. Oh la vache. Incroyable. Major. Bon, on a un grenadier encore. Caporal. Gros critique. Non, peut-être... Voilà, ça, parce que du coup, ils peuvent voir 4 ennemis. Alors, mon sniper, alors heureusement que t'as été promu, parce que franchement, là... tir neutralisant l'arme principale de la cible, elle peut réparer l'arme en utilisant recharger, ne peut pas infliger de coup critique, recharge de tour, détecteur, lancer ce dispositif pour créer une nouvelle source de vision pendant 2 tours. Mouais. Ça, c'est pas mal, ça. Quoique... Une vue, ça serait peut-être mieux. Ouah. Réduction de la panique. Ça donne quoi? Réduction de la panique. Où est-ce que ça réduit la panique, s'il te plaît? Oh, la vache! La bande de saloperies. Très difficile, évidemment. Porcaïde. Si je veux pas perdre Porcaïde, c'est là très difficile. Ah ouais. Oh la vache. Bon alors, on va modifier un petit peu tout ça parce que... J'ai pas de sniper, j'ai pas de gros Koubiak. J'ai 4 grenadiers et 2 commandos. On va peut-être virer un grenadier. J'ai pas encore un commando de plus. Non. Bon ben, j'aurai plein de requêtes. Je vais modifier ce que j'ai pas encore un medikit. Non, évidemment, j'ai pas de medikit. On va peut-être mettre ça. Pas besoin de... Tant de grenades, normalement, ça devrait aller. Et on va lancer la mission. Bon, une très difficile, on enchaîne. Hein. On va vous déposer à la frontière égyptienne. On capte toujours des transmissions. Allez, c'est parti. Voilà, frontière égyptienne.
Allez, go. Pas de gros coubiac pour cette fois. Ça va être juste. Ici Rapace, répondez QG. L'équipe Strike a atteint la Z2. Demandons autorisation de se déployer. J'ai complètement oublié de les équiper avec les fusils laser. Oh la vache. Bon alors, un abruti fini comme moi. On va y aller doucement. Est-ce que tu peux pas monter sur les caisses? Non, tu peux pas monter sur les caisses. Bon bah... On va y aller très doucement. Et on ne se sépare pas. On reste toujours tous en groupe. Tous en vigilance. Oh la vache. J'ai oublié de les équiper quoi. N'importe quoi moi. Oh là là. Toc, vigilance. Ok, ça a l'air de te foutoir. Personne en vue pour l'instant. Ça roule. Les yeux sur la cible. Ok. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, 50 R, est-ce que ça suffirait? Non, ça suffit pas. Tir de roquette. Est-ce que le tir de roquette... Non, le tir est bloqué, le tir est bloqué. Ouais, boum, comme tu dis. Moins un. Permet de tirer après un sprint. On y va. Normalement, tu l'as. Voilà ce qu'on cherchait. 100%, allez. Rentre chez ta maman, toi. En plus, on voit un conteneur de mêlée. J'avance. 55. Oh, vous êtes une violence, cette équipe. Enfin, faut... je reste vigilant parce que c'est quand même des missions très difficiles. On va essayer d'avancer vers le conteneur de mêlée quand même. Évidemment, il n'y a pas un seul truc pour se mettre à couvert ici. Ah, là non plus. Toi, tu vas avancer un peu. D'accord. Aussi. Ok, je bouge. Oh là là, quel abruti je fais de pas les équiper correctement. D'accord. Alors. Ok, il y a du monde là-bas, ça se sent. Vous avez entendu ? Trouvé. Deux ploulples. Qui eux n'avaient pas trouvé, il semblerait. Ils sont pas passés en mode furtif. Maintenant, ils sont passés en mode furtif. Alors. Tout ça couvert. Ça m'embête de pas pouvoir recharger. D'habitude, ils se jettent tous sur le plus faible, c'est-à-dire le sniper ou les gens de personne. Sauf que là, on n'a pas de sniper, on a que des commandos et des grenadiers. Du coup, le choix va être un peu compliqué, je pense. Ouf. Vous énervez pas les gars. Vous énervez pas. Quelle monstruosité quoi. Alors là, si je pouvais avoir un... Évidemment, le tir est bloqué. Personne qui... Ah si, toi t'as deux grenades. Ah oui, dans ce cas-là,
Là, comment ça, le tir est bloqué? Là, le tir est pas bloqué. Un élément allié. Allez, go! J'ai le matos en visuel. Donc on a la deuxième mêlée en plus. J'y vais tout de suite. Toi, tu restes là en mode vigilance. J'y vais. Donc faut pas qu'on oublie qu'on a celui-là. Et qu'on a encore Paul le Poulpe qui se balade. On se méfie. Récupère la mêlée. 69. Yes. Il manque plus que Paul le Poulpe dans le coin. Il a pas l'air de vouloir se montrer d'ailleurs. On va aller chercher la deuxième mêlée. Moi ça sera fait. Oui, mais par contre toi t'as plus de munitions. Toi c'est juste aussi. Toi t'avances. C'est juste aussi. Dès qu'on aura plus de poulpe, on se fera un petit tour de rechargement. Pour tout le monde. Alors c'était très intelligent ce que tu viens de nous faire. Enfin bref. Allez. Allez, sors de là, voilà. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Boum. Bon alors c'est pas tout jeté dessus, mais c'était pas loin. Alors, il reste des gens. Où ça qu'il reste des gens? Il doit être au nord. Je pense qu'il reste des gens au nord. On va déjà s'occuper de ceci. Voilà. Ensuite, on va recharger. On peut y aller. Ça roule. On va se refoutre par là. Rechargeons. J'y vais tout de suite. Voilà. Ok, pas de bruit. Ça roule. Je pense qu'il y en a là-bas. Tiens, remonter là-haut d'ailleurs, ça nous offrira peut-être une meilleure vue. Ok, c'était pas exactement à l'endroit que je pensais. Raté, tu m'étonnes. Elle est quand même un poil loin la cible. Oh la vache. Il y en a une qui est hyper énervée. Alors est-ce que tu vas arriver à toucher? C'est pas sûr. Tu vois, il était en vigilance? Ouais, sauf que t'as réflexe éclair, donc c'est bon. Est-ce que tu peux faire une gâchette rapide? Allez, gâchette rapide. Ah, dommage. T'as eu un coup quand même. C'est pas mal. Je suis en route. Oh zut! À une case près, tu le voyais quoi. Bon, toi par contre, tu vas revenir rapido. Hé hé, tire réflexe. Oh non! Je règle mon viseur. Parce que du coup, il y en a une qui a... Oh! Il y a un abruti fini. Même en face, ça fait 20 minutes. Ah, il y a un petit 100%.
Et on a fini la mission, tranquille, 10 sur 10, excellent, excellent, excellent. C'est ça, une bonne mission. En plus, on n'avait même pas de gros Koubiak et c'est passé tranquille. Ouh, plein de promotions, c'est nickel ça. Double grenade, deux grenades dans un seul emplacement. Alors là, si tu te balades avec ça... Et l'autre, c'est zone à risque. Deux cases, zone d'effet des tirs de suppression et toutes les attaques de roquettes. Ouais, c'est quand même pas mal les tirs de roquettes. Les deux, ils sont bons quand même. Mitraillage. Les tirs standards, ne mettre plus fort autour. C'est pas mal ça. Ténacité, réduction de 2. Tous les dégâts normaux subis si vous êtes couvert et non contourné. Ah oui, c'est bien parce que j'arrête pas de prendre des dégâts alors que je suis à couvert et non contourné quoi. Le premier tir réflexe contre cette unité, c'est pas mal ça, c'est toujours bien les réflexes, c'est clair. Même, plein de trucs. J'ai obtenu un sapeur. Bon, c'est bien parce que j'avais plus de sapeur. Ouf, bon, bah c'est fini, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode, parce qu'au moins on a fini une mission, tout ça, tranquille. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous.